Je vous invite à me suivre près de ce lac de Devesset, aux confins de l'Occitanie, sur le haut plateau ardéchois. Ici, sur la ligne de partage des eaux Atlantique-Méditerranée, deux mondes opposés mais complémentaires se rencontrent. Les pays à la langue d'oc, l'Occitanie, et les pays à la langue d'oïl, le pays des Avernes, l'Auvergne. Au loin, dominant ce lac de Devesset, le mont Chignac, sur les pentes duquel s'agrippe le village castral de Sainte-Agrève. Sainte-Agrève, haut lieu parmi les hauts lieux, bourgade sur le chemin des étoiles, sur un point de ralliement des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, sur le chemin où le monde chrétien forma sa civilisation des cathédrales. Ici, des milliers de personnes sont venues admirer cette chaîne de volcans, véritable dragon du juste milieu où le feu du ciel épouse le feu de la terre. Ici, des milliers de touristes affluèrent dès le début du XXe siècle grâce à un chemin de fer départemental. Et de nombreux hôtels se construisirent alors. Mais plus encore, c'est dans les limites de cette haute montagne, de ce vieux volcan du Mézin, citadelle avancée des Celtes, c'est près de ces sucs volcaniques qu'une mystérieuse civilisation mère a laissé çà et là des messages concernant une connaissance perdue. Ainsi, il apparaît que bien avant la découverte des reliques de Saint-Jacques, des pèlerins suivaient déjà ce chemin aligné sur les étoiles, à la recherche d'un savoir laissé sur des monuments sacrés comme ce menhir, comme cette pierre dressée à l'entrée du bourg de Sainte-Agrève. Des millénaires avant le christianisme, des êtres humains pérégrinaient en Europe occidentale, toujours vers l'ouest, de mégalithes en mégalithes. Mégalithes à l'emplacement desquels, plus tard, les chrétiens ont érigé des églises où parfois des surprises nous attendent. Ainsi, si un jour vous pénétrez dans cette église de Sainte-Agrève, une mystérieuse statue à l'intérieur va attirer votre attention. C'est une Vierge noire, Notre-Dame de l'Estrat, elle se nomme. Des pèlerins, depuis des temps immémoriaux, se sont arrêtés ici pour vénérer cette Vierge en majesté. La voici, la voilà, cette déesse de deux sous-terres. C'est une reproduction exacte de Notre-Dame du Puy, détruite en 1793 par les révolutionnaires. Aujourd'hui, ces statues représentent la bienheureuse Vierge Marie, médiatrice entre le ciel et la terre, avocate du genre humain. Avec son visage sombre et rayonnant, cette splendide lumière dans la nuit est bien plus qu'une œuvre d'art. Ce symbole ne s'intellectualise pas, il se vit, il n'apprend rien, il révèle. Cette reine de la nuit pose aux visiteurs une troublante énigme.
et il faut le souligner une fois encore, comme toutes les statues de ce genre, elle n'a pas été placée n'importe où. Oui, cette colline du Chignac à Sainte-Agrève est un lieu béni par la nature, un axe du monde, un omphalos, un point d'acupuncture majeur de notre planète, récepteur-émetteur de radiance stellaire, une antenne diffusant des ondes vitales, des énergies essentielles à notre évolution. Et comme par hasard, c'est ici, sur ce mont Chignac, selon une légende, que Sainte-Agrève, évêque du Puy, et son compagnon Saint-Ursin ont été décapités. Ainsi, ce village de Sainte-Agrève aurait pu s'appeler Saint-Ursin. Étymologiquement parlant, Ursin signifie ours. Saint-Ours est en quelque sorte le nom ésotérique de ce village de Sainte-Agrève. Et clin d'œil du ciel à la terre, un habitant du lieu a peint sur un mur un ours. Pensait-il à la légende? Et alors, avait-il aussi compris que nous sommes ici sur le mont du crâne, le mont Golgotha local? Arthos en grec désigne l'ours et, synchronicité, le roi Arthur de ce fait est le roi de l'ours. C'est donc ici, dans l'imaginaire des visiteurs, que ce souverain et ces chevaliers de la table ronde sont venus chercher le Graal. Décidément, tout indique que ce mont Chignac est le miroir des étoiles de la grande et de la petite ours. Qui plus est, avant de mourir décapité près de cette place de l'Aulne, Saint-Ursin a déclaré: là où ma tête roulera, une fontaine coulera, qui jamais ne tarira. Et son crâne a roulé, roulé, et une fontaine miraculeuse a jailli au pied de la colline du Chignac, à l'endroit exact où ce crâne s'est arrêté. Et depuis, si chaque année, à Sainte-Agrève, cette source miraculeuse guérit grand nombre de pèlerins, sachez, passants, qu'ici aussi, les radiances de ce lieu peuvent vous aider à découvrir au plus profond de vous-même une non moins célèbre fontaine génératrice, elle aussi, de médecine universel. Et à propos de radiance, savez-vous que chaque Vierge noire est alignée sur une étoile? Aussi, découvrons le blason originel de cette bourgade de Sainte-Agrève. Ce blason représente une tour couronnée surmonté d'un oiseau blanc, d'un cygne. Cet oiseau, ce cygne, nous permet de deviner que Notre-Dame de l'Estrat s'aligne sur la constellation du cygne et plus exactement sur l'étoile d'Éneb de la dite constellation. D'ailleurs, dès le Paléolithique, les étoiles du cygne étaient considérées comme une porte du ciel. Et ajoutons qu'en 2005, des scientifiques américains ont découvert que les ondes photoniques en provenance de cette constellation du cygne ont provoqué
une accélération évolutive exponentielle au niveau des humains que nous sommes. Mais continuons, non loin de ce village de Sainte-Agrève, dans les feuillages des arbres, de ce château Lacour, le vent qui gémit murmure inlassablement une phrase si chère aux alchimistes. La voici. Tant que tu ne vois pas le noir plus noir que le noir, sache que tu as failli dans l'œuvre, mais sache aussi que dans ce noir plus noir que le noir brille la lumière paradoxale des ténèbres. Et coïncidence signifiante, le blason de la famille noble qui habitait ce manoir témoigne que dans cette bâtisse, un initié pratiquait l'alchimie. Sur ses armoiries, un lévrier nous indique que dans le langage des oiseaux, l'œuvre y est. C'est-à-dire qu'un alchimiste accueillit ici la rose de l'adepta. Nous admirons, dans le parc de ce château Lacour, au passage, une échauguette. Puis, après être passé sous une porte cochère, oh stupeur, sur le mur de ce château Lacour, l'alchimiste a laissé un autre message, les 64 cases d'un échiquier, sculpté sur la pierre avec l'arbre de vie. Ces symboles représente les 64 mutations de l'être. Cette antique demeure est bien une demeure philosophale, c'est-à-dire une demeure où l'on pratiquait la philosophie hermétique, l'alchimie. Quelques kilomètres plus loin, un autre lieu sacré, la commanderie de Devesset, la plus grande commanderie d'Auvergne en matière d'hospitaliers de Saint-Jean. Ces hospitaliers de Saint-Jean, ces moines soldats, à l'instar d'autres chevaliers, étaient peut-être parfois en quête du Graal, en quête de cette mystérieuse coupe, cachée peut-être ici dans ce lac de Devesset. Le Graal, c'est la coupe sacrée, celle de la dernière scène prise par les apôtres avec le Christ. Mais le Graal, c'est aussi pour ces chevaliers la connaissance, la régénération de l'être par la connaissance libératrice. Cette quête du Graal est une aventure enivrante, une quête initiatique à la recherche d'un trésor perdu, suspendu au-delà de l'existence. Or, les touristes d'aujourd'hui s'émerveillent à juste titre devant cette commanderie des commanderies, mais oublient souvent dans l'ombre de cette majestueuse demeure une ferme, certes anodine, mais qui voile un grand secret. Devant nous, cette maison mystérieuse, celle de Plafailly. Oui, c'est en fait ici que se réunissaient les chevaliers de l'étoile. Des chevaliers, précisément en quête du Graal, ordre initiatique fondé à Bourges par le roi de France Jean de Le Bon. À l'intérieur de cette bâtisse, une énigmatique pierre tombale. Quelle surprise! Celle d'un chevalier de la Renaissance, Liaquemérieux de Plafailly, illustre inconnu, alchimiste, qui a pourtant réalisé ici la fameuse pierre philosophale, élixir d'immortalité.
Mais pourquoi les chevaliers de l'étoile ont-ils choisi cette maison plutôt qu'une autre? Eh bien, tout simplement parce que cette bâtisse est sur un haut lieu de vie, sur un haut lieu vibratoire. Mais plus encore, elle est marquée par cette étoile, l'étoile de Bethléem, si chère aux chevaliers. En effet, l'architecture de cette demeure est entièrement basée sur cette étoile à huit branches qui s'insère à deux reprises dans le plan au sol de cette maison. Et miracle, dans ce dédale de traits, le gardien du lieu apparaît, entouré d'un compas, d'une équerre, mais surtout, aux surprises, de la fameuse coupe du Graal. Pèlerins, si vous venez à Saint-Agrève et dans toute cette région Vivaro-Vélave, vous ne serez pas déçus. Vous irez de surprise en surprise, vous plongerez de mystère en mystère. À bientôt sur ces hautes terres.